Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis beaucoup trop hypée. Les amis, nous avons reçu ce magnifique coffret. Oh, il est magnifique, ce coffret Dracaufeu X. Alors attendez, il s'appelle le collection super premium Dracaufeu X. Incroyable, franchement il est trop cool. C'est la première fois qu'on a un coffret comme ça qui est carré, hein. Il est presque carré parfait limite et il est vraiment hyper stylé. Puis on a une figurine là, une carte là. J'ai trop hâte. C'est Pokémon qui me l'a envoyé ce coffret. Merci beaucoup à eux parce qu'ils ont essayé de m'envoyer le plus vite possible pour que je vous fasse la vidéo. Donc j'ai trop hâte de découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez voir déjà sur les côtés, on a des boosters, des cartes. De l'autre côté, on a encore des boosters, des cartes. Derrière, les petites explications. Je vous montre ça ici parce que sur l'autre caméra, ça risque d'être trop petit. Mais ce que j'adore, c'est ça. Franchement, je trouve ça trop beau, le Dracaufeu rouge comme ça, avec les flammes dans le fond. Très beau. Ici, rien, hein, on ne pouvait pas avoir des dingueries sur toutes les faces. En tout cas, je vous propose d'unboxer cette beauté ensemble. C'est parti. Donc, j'ai ouvert le coffret et à l'intérieur, on a plusieurs choses. Donc déjà, ceci qui est très grand aussi, donc on va l'ouvrir là. Nous avons cette figurine qui est, de ce que j'ai compris, une figurine présentoire de Dracaufeu. Regardez-moi ça, elle est belle gosse, elle est très belle gosse, je la trouve vraiment canon. Et l'idée, c'est potentiellement de mettre des petites cartes. Ok, je pense que l'idée, c'est de mettre la carte comme ceci, donc dans la main du Dracaufeu. Et franchement, bah ça rend super bien, on a testé direct avec la carte promo du coffret. Et j'adore, il lui fait un petit câlin, c'est très mignon. Et sinon à droite et à gauche, comme vous l'avez vu, on a les boosters et les cartes. Donc on va unboxer tout ça sur la table. Ok les gars, j'ai tout sorti, tout unboxé. Je commence évidemment par vous montrer les cartes promotionnelles. Donc il y en a trois, Salamèche, Reptincelle et Dracaufeu. Vu qu'il s'agit du coffret super premium. Avec ce Salamèche du coup qui était présent dans l'extension 151, si je ne m'abuse. Pareil pour ce Reptincelle, mais cette fois-ci, on a la version holographique qu'on n'a pas hein, dans la version 151. Ensuite, on va avoir la carte la plus importante pour moi de Dracaufeu X, qui est une carte promotionnelle absolument magnifique, la 141, qui s'ajoute à ma collection de promo. Il me la faut pour compléter. Elle est vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je la trouve super cool. Non, très bien, on adore. Et on a les boosters. Alors les boosters, on en a pas mal. Combien exactement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on a plein d'extensions différentes. Vraiment, quand je vous dis plein, c'est plein. On commence avec deux boosters couronne stellaire. Donc je fais de l'extension la plus récente à la plus ancienne. On enchaîne avec deux boosters mascarade crépusculaire. Puis nous avons deux boosters force temporelle avec le Suicune. Nous avons Faille Paradoxe et Flamme Obsidienne, à chaque fois un seul booster, donc EV3 et EV4 qui commencent à se faire un petit peu plus rares j'imagine. Et on termine avec deux boosters Star Étincelante. J'ai l'impression que cette série, elle a été énormément imprimée et qu'ils essayent un petit peu bah, de les mettre un petit peu partout. Moi ça me va très bien parce que j'adore cette série. Et même si j'ai déjà le Dracaufeu alternatif qu'il faut absolument avoir, il me manque encore pas mal de cartes dans cette série, donc on dit oui. Du coup, c'est parti pour l'ouverture. On ne perd pas de temps, on veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur de nos cartes. Et j'étais en train de réfléchir à ce que je faisais le 1, 2, 3, 4, mais ça sera seulement pour Star Étincelante. On est parti tout de suite avec Larvibule, Hoothoot, Chrysapeel, Evoli, Loclas, Jirachi et les câbles. Nous avons Rhinocorne, Rubépin et un Noirfang en holographique. Rien de fabuleux pour ce premier booster. On enchaîne directement. J'ai reçu un deuxième coffret d'ailleurs de la part des gentlemen du jeu. Donc je suis trop contente parce que je vais pouvoir aussi vous faire un unboxing. Soit un deuxième sur YouTube, soit quelque chose sur Instagram, TikTok et tout. Potentiellement là demain ou aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo. Vous avez une autre vidéo. On a juste un petit frisson, une autre vidéo d'unboxing Dracaufeu. Comme ça, si ce coffret vous frustre, si on n'a pas assez d'ultra rares, eh bien vous pouvez aller sur TikTok et Instagram et il y aura probablement le deuxième coffret qui sera ouvert en espérant avoir de la chance. Là, on ne sait pas encore, on n'a ouvert que deux boosters. Donc on ne peut pas juger pour le moment de notre chance sur ce coffret. En tout cas, nous avons Medienna, Super Dauphin, Scarino, Roseille, Nigirigon et Oko. Et au garpon. On passe au booster mascarade crépusculaire. Let's go.
Et tous les codes sont à l'envers. Par contre, ça, c'est ma phobie. Mais bah, c'est souvent comme ça. Ce n'est point grave. Nous avons Écrapince, Galvaran, Petitard, Capumain, Nigirigon, Super Dauphin, Le Cuisinier, Capidextre, Croaporal et Super Dauphin X. Ok, une première ultra rare qui tombe. Je crois que je l'ai déjà, hein, les ex classiques dans toutes les séries Écarlate et Violet. J'ai quasiment tout. Je sais pas vraiment ce qui me manque pour tout vous avouer. Mais en tout cas, ce Super Dauphin me parle. Je crois même que j'avais eu la carte Super Dauphin X dans un coffret Super Dauphin. Et que la carte X qu'on peut trouver dans la série et la promo se ressemblent beaucoup. C'était juste une différente pose. Mais globalement, c'est à peu près la même chose. Nous avons un petit Lototop, Bombidou, Roselia, Girafarig, Lucanon, Forretress, à chaque fois je dis le mauvais truc, Shaymin, Hurlequeu, Noirfang et Farfaduvet. Allez, deuxième booster Force Temporelle. Pour le moment, une ex, on peut faire mieux, Et on va faire mieux, d'accord? Si on est persuadé que ça va marcher, ça va marcher. J'espère. Misdibule, Pomme des Piques, Poichijon, Vivaldin, Forretress, Berasca, Tondeuse de Main, Flotte-Mèche, et les câbles, et Cisaiox ex. Ok, encore une petite ex qui tombe dans le coffret Cisaiox X que j'ai aussi beaucoup eu. C'est toujours cool en fait quand on ouvre des coffrets comme ça et qu'il y a des anciennes extensions parce qu'on a toujours espoir de compléter, mais on a quand même une grosse probabilité d'avoir des cartes qu'on a déjà évidemment, surtout si on a ouvert beaucoup de boosters comme je le fais à chaque extension à chaque fois. J'ai failli tout casser. Vous avez vu ou pas que le booster a failli partir? Qu'est-ce qu'on ouvre? On ouvre le booster Faille Paradox. Et là, le code online est à l'endroit. Est-ce que ça va nous porter chance? Est-ce que grâce à ça, on va avoir une carte de folie? Ça serait cool parce que moi, j'aime beaucoup cette extension. Même si elle est mal aimée, je la trouve très chouette. Feuilloutant, Rampel, Candine et Fongus Fury. Je crois que c'est Fongus. À chaque fois, j'oublie. À chaque fois, on me l'apprend et à chaque fois, j'oublie. Flamme Obsidienne. Maintenant, on est un peu dans le thème, hein, finalement, de Flamme Obsidienne avec du Dracaufeu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ce coffret? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que ça vous plaît d'avoir un petit coffret Dracaufeu? Je voulais pas préciser, mais le prix est de 100€ pour ce coffret. Si vous le trouvez plus cher, c'est bizarre, voilà, clairement. N'hésitez pas à utiliser mon code, d'ailleurs, sur les gentlemen du jeu, 10% de réduction, donc ça vous fait le coffret à 90 au lieu de 100. Mais si vous le trouvez plus cher, franchement, fuyez, il ne faut pas l'acheter là-bas. Rien pour ce booster, il nous reste les deux boosters Star Étincelante et c'est l'espoir qu'on a de trouver une dinguerie qui nous maintient heureux, joyeux et aussi le code noir qui est juste là, code noir qui sur ces extensions là est révélateur d'une potentielle holographique voire ultra rare, donc on croise les doigts pour en avoir une. C'est parti, Craquenois, Neuneuf, Étourmi, Balignan, Tiplouf, Carte V-Star, ça m'a pas manqué, les cartes V-Star, assurance échec, j'aime pas. Quand il y a assurance échec, j'ai l'impression que je vais échouer, je n'aime pas du tout. Luxio, Capoeira, Bassin de Magma et nous avons une petite V, ok, c'est chouette, franchement, avec Arceus, 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 ce que vous voulez. Je sais que personne n'est d'accord, mais très sympa, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Est-ce que j'ai cette carte? Je sais plus si je l'ai déjà ou pas, je pense que oui, mais je suis pas sûre. Ça fait tellement longtemps, Star Étincelante, ça date de 2022, donc ça fait quand même 2 ans que c'est sorti, et on est toujours content, voilà, d'ouvrir des petites cartes comme ça, le petit Arceus. Ok, mais il nous reste un booster, c'est pas terminé, hein. Attention, hein. Et 2 ex, une V, les V et les ex, c'est à peu près la même chose, mais oh non, je les ouvre du mauvais côté, parce que du coup, je suis habituée au booster Écarlate et Violet, où maintenant c'est dans l'autre sens. Malheureusement, on a eu code blanc, comme vous avez pu le voir. Donc, j'ai échangé la rare et la reverse, car on peut toujours avoir quelque chose sur le slot de la reverse. Talgamin, Tarinor, Crémy, Polarum, Une Énergie, Dimoré, Terraclope, Fourbelin, Bec à Glaçon et Libégon. Malheureusement, pas d'ultra rare, Libégon en reverse. Pour ce dernier booster, eh bien, écoutez, finalement, ce coffret nous aura donné 3 ultra rares en plus de la carte promo et en plus de la figurine. Je pense que voilà, les 100€, c'est aussi beaucoup pour la figurine de Dracaufeu, figurine porte-carte, c'est assez inédit. Mais au niveau de la pioche, sur les 10 boosters, 3 ultras. Ça fait environ une ultra tous les 3 boosters, c'est correct. En soi, c'est correct. C'est juste qu'on aurait aimé avoir des choses un peu plus
cool que des simples ex, mais ça arrive, c'est comme ça. Vous le savez, c'est la loi des cartes Pokémon. Je suis quand même très contente de rajouter la promo de Dracaufeu à ma collection. Et cette petite figurine de Dracaufeu, je la trouve vraiment chouette. Je pense que je vais la mettre dans mon fond de vidéo avec une jolie carte. Mais je pense que pour les fans de Dracaufeu, c'est vraiment un beau cadeau de Noël, clairement. Je pense que ça va cartonner. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker à fond et donnez-moi tous vos avis dans les commentaires. Sur ce, moi, je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt!